société civile se sont emparés il y a plusieurs années du sujet de la question animale. On peut en témoigner de nombreux livres, de nombreux reportages, documentaires, pétitions sur le sujet de la question animale. Donc l'intérêt des Français est bien là, et c'est un sondage IFOP récent qui disait que 4 Français sur 5 qui étaient inscrits sur les listes électorales considéraient que c'était un enjeu important. Voilà. Et la nouveauté depuis quelques années, c'est qu'en France comme en Europe, c'est un sujet qui fait son entrée dans le champ politique, avec une revendication qui lui est propre, qui est de défendre ceux qui ne peuvent pas parler des animaux. Ça prend forme parfois via de nouveaux partis politiques, par exemple le parti animaliste, ou dans des partis politiques plus classiques, dans lesquels il y a des commissions comme la commission condition animale qui sont créées, et c'est des thématiques qui sont aussi portées par des partis politiques classiques. Donc ça prend une place importante dans ces programmes, et c'est une entrée qui se fait sous un regard qui provoque parfois la surprise de certains militants, qui est habitué à ce qu'on hiérarchise les causes, toujours en plaçant l'homme au-dessus de l'animal. C'est un regard qui, pour moi, il n'est pas sans rappeler celui qu'avait suscité René Dumont en 1974, en portant des revendications écologistes dans un programme politique pour les présidentielles. Voilà, pourtant, pour autant, plus en plus de militants et d'élus sont convaincus qu'il faut porter la cause animale en politique. Et cause animale et cause humaine, comme le disait Alain Bougrain-Dubourg à la conférence, à la plénière d'hier, sont deux faces d'une même médaille. Alors, pourquoi porter la défense des animaux dans la sphère politique doit se faire? Comment mener ce débat en politique? Quels sont les freins? Et surtout, comment associatifs et politiques peuvent travailler ensemble pour mieux porter... pour améliorer concrètement le sort des animaux. Alors, pour discuter de ce sujet, on a la chance d'avoir aujourd'hui deux représentants d'associatifs et deux personnalités politiques. Alors, il y a Brigitte Gauthier, tu es cofondatrice et porte-parole de L214. Donc, c'est une association qui a été créée en 2008, qui a pour but de dénoncer les conditions de détention et d'abattage des animaux d'élevage, et transport aussi. Et de poser la question de la légitimité de continuer de considérer les animaux comme des ressources, alors que ce n'est pas nécessaire. Muriel Arnal, tu es présidente et fondatrice de One Voice, qui est une association qui a été créée en 1995, qui a pour but de lutter pour le droit des animaux et pour le respect de leur vie. Vous agissez toutes les deux dans des... Enfin, vos associations agissent dans des sujets qui sont très complémentaires, puisque One Voice... Mener des combats pour les animaux qui sont utilisés à des fins de distraction dans la corrida, dans les delphinariums, dans les cirques avec animaux sauvages, enfin dans les cirques, tout court, contre la fourrure, contre la chasse et pour la limiter l'errance animale et d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Voilà. Alors, ensuite, Jacques, donc toi tu es maire du 2e arrondissement de Paris et tu es conseiller de Paris et où tu portes haut la défense des animaux. Et Laurence Abeille, tu as été députée du Val-de-Marne, donc sur le mandat précédent, et tu t'es particulièrement impliquée pour les animaux. Quant à moi, du coup, je suis co-responsable de la commission conditions animales. Donc je voulais vous remercier très chaleureusement, tous les quatre, d'être présents ici pour pouvoir débattre de ce sujet. Alors, donc, l'organisation du débat, ça va être du coup des questions-réponses. Il y aura 7 minutes de réponse à chaque fois. Je serai impitoyable, c'est très précis comme timing, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà. Et ensuite, il y aura 10 minutes de questions qui seront réservées à la salle, enfin à l'échange avec la salle. Donc, je vais commencer par Laurence Abeille. Enfin, Laurence, du coup, j'ai une question pour toi qui est tu as été députée du Val-de-Marne dans ta précédente mandature. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ces 4 dernières années, surtout. Dans la sphère politique. Alors, en termes d'action, que ce soit la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie, ou aussi en termes de positionnement, là, récemment, il y a Aurore Berger qui faisait une proposition un petit peu hasardeuse de favoriser la présence, enfin, d'amener la présence de chats dans l'Assemblée nationale pour lutter contre les souris.
C'est un peu un argot à mon sens, mais enfin, au sens de pas mal en fait. Mais... est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé et pourquoi, à ton sens, ça a autant émergé ces 4 dernières années ? Merci beaucoup d'abord pour l'organisation de ce moment ensemble et de cet échange sur ce sujet ô combien important pour la société et évidemment pour la politique dans, maintenant et dans les années à venir. Alors, il s'est passé des choses, il faut encore qu'il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est quand même qu'au balbutiement, c'est-à-dire qu'on est en train d'être dans l'imprégnation, dans la prise de conscience. Il y a des actes qui sont posés de plus en plus. Je prends l'exemple des cirques avec animaux, de plus en plus de villes, parce qu'elles ont ce pouvoir de le faire, prennent des positions. Il y a un certain nombre de... Dans la société, il y a quand même beaucoup de choses qui ont émergé. Dans la façon de consommer, dans la façon de concevoir le sens un peu de sa vie, de sa consommation. Comment est-ce que... on réfléchit à ce qu'on met sur soi, à ce qu'on mange, quand on commence à faire le lien avec la souffrance animale. Ce qui n'était quand même pas tellement le cas. Alors dans la sphère politique proprement dite, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, je pense, pendant ces 5 années de la mandature, d'avoir concomitamment, je dirais, d'abord l'émergence dans la société de ce sujet de façon très forte. Ça existait déjà, il ne faut pas se dire qu'il ne s'est rien passé depuis des années. Il y a des associations qui œuvrent sur le sujet et des gens très concernés depuis très longtemps. Mais il y a eu cette conjonction, émergence vraiment d'images très fortes. Je pense que c'est ça qui a été un des déclencheurs. L214 a pour cela joué un rôle très très fort et toutes les associations, je dirais, ont embrayé d'une certaine façon dans cette dynamique nouvelle. Qui s'est formé avec les associations. On a eu un choc, voilà, un choc, et le choc est arrivé aussi dans l'Assemblée nationale. Parce que, pour dire, on est quand même dans un monde extrêmement fermé, un étouffoir un peu, et qu'on ne voit pas ces images-là, je veux dire, on ne peut pas les voir. Et que ce qui est renvoyé par la société des électeurs, enfin un peu classique, si vous voulez, les lobbies hein, de la culture conventionnelle, etc., qui tiennent finalement la pensée politique de beaucoup de députés, c'est évidemment à l'inverse de ce qui se passe dans la société. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont tout d'un coup compris qu'il y avait quand même un sujet important. Et donc, y compris d'ailleurs dans la façon de penser d'un certain nombre de parlementaires pendant ces années-là, il y a eu des choses qui se sont passées. Et au moment de la commission d'enquête parlementaire, je pense qu'il y a encore des parlementaires qui étaient présents à la commission d'enquête, qui, y compris là, on se sont dit, mais au fond, il y a des choses, on n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas réalisé que d'abord, dans la société, il y avait un mouvement à ce point fort et profond, et durable, que ce n'est pas juste une espèce de mode, mais qu'il y avait vraiment quelque chose, et que quand on est élu, on pense aussi qu'on a des électeurs qui vont peut-être à un moment donné se soucier véritablement de ce sujet-là. La commission d'enquête, c'était un moment important parce que, pour ce que je vous ai dit d'abord, mais parce qu'on a eu des témoignages en audition donc, à l'Assemblée nationale d'associations. Alors bien sûr, en premier lieu, Brigitte Gauthier pour l'association L214, parce qu'il a bien été dit dans l'intitulé de la commission d'enquête que c'est parce qu'il y avait eu les vidéos de l'association L214 qu'il y avait eu la demande de commission d'enquête. C'est-à-dire que c'est très précisément lié à l'action de l'association que cette commission d'enquête a été déclenchée. Et dans les auditions qu'on a pu avoir, alors évidemment Brigitte Gauthier, mais aussi d'autres, on a pu donc les directeurs d'abattoirs, etc. Enfin, on a eu, je ne sais pas combien d'auditions, j'ai oublié, mais enfin ça a duré plusieurs mois. Je pense qu'on a pu se faire quand même une idée assez précise de ce qui se passait dans ces lieux fermés qu'étaient les abattoirs et des lieux que personne n'avait tellement envie d'ouvrir. Et c'est parce qu'il y a eu ces caméras introduites dans ces lieux qu'il y a eu besoin quand même d'aller ouvrir les portes et de voir ce qui se passait à l'intérieur. D'où un choc quand même. Parce que bon, on a beau être aguerri, quand on vous explique assez précisément de la façon dont ça se passe et que non seulement il y a des images mais il y a aussi des récits, on se sent un peu bizarre, voilà. Enfin, je pense que ça a un petit peu malmené certaines personnes. La question essentielle pour moi qui a émergé de cette commission,
elle est venue pour moi, hein, de la philosophe dont j'ai oublié le nom là maintenant, Florence Burgat, ça me revient, qui a été interrogée donc, dans cette commission d'enquête et qui a fait une intervention extrêmement, mon sens extrêmement éclairante et précieuse, sur la notion de nécessité. Tu as prononcé le mot là, Brigitte, a-t-on besoin, est-il nécessaire de tuer les animaux pour les consommer? Est-ce qu'on en a besoin pour vivre, tout simplement? La réponse, évidemment, aujourd'hui, on la connaît, c'est non. On n'en a pas besoin, c'est pas nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire, parce qu'on peut décider qu'on tue, pour moi, ça c'est un choix, mais ça n'est pas une nécessité. Voilà. Je pense que ça, c'était assez nouveau d'avoir dans ce débat ce mot-là qui émergeait. Comme je ne voudrais pas être trop longue, je voudrais parler aussi un peu d'autre chose, parce que dans le débat, enfin dans l'émergence dans ces dernières années du débat politique, il y a eu aussi d'autres éléments, je pense vraiment entre la société et les associations et les politiques, des débats quand même sur la façon de consommer, c'est-à-dire sur la question du végétarisme, du véganisme, et ça va très très vite en fait. C'est-à-dire qu'au début, les gens parlaient vegan, oui, les sectes, etc., machin, comme les gens qui font de la permaculture, enfin j'ai entendu des choses hallucinantes, et puis tout d'un coup, on voit que les magasins, tout ça, ça va très vite. Il y a des magasins vegan, alors tous les politiques nous disent bah oui, d'accord, ça va tellement vite qu'il fait court derrière. Quoi. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose dans ce débat. Pardon, j'ai trouvé trop long, il faut que je finisse, je conclue. Je pense qu'on a là, sur la question de la consommation et dans les enjeux du réchauffement climatique, je vais faire le lien très très vite, ça n'a pas suffisamment émergé dans le débat. Je pense que les prochaines années, ça va être essentiel de dire attention, élevage intensif, etc., c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, et ça, il faut absolument le prendre en compte. Merci. Alors ensuite, j'ai une question pour Jacques. Jacques, tu es maire du 2e arrondissement de Paris depuis 2001, conseiller de Paris. Ton engagement en tant qu'écologiste et défenseur des animaux existe de longue date. Pourquoi est-ce que tu penses que ces deux combats ne peuvent pas aller l'un sans l'autre? Bon, merci Pauline pour cette question. Pas facile, mais je ne vais pas tout à fait répondre à ta question. Plutôt si, je vais y répondre, mais peut-être de façon un peu rapide. Et après, je reviendrai sur la question que tu as posée à Laurence. Je la préfère. Non, sérieusement. Pourquoi est-ce que la question, c'est le lien entre la condition animale et les questions d'environnement? Ben parce que on sait que ce sont nos modes de vie qui engendrent le réchauffement climatique, qui modifient les conditions d'existence des espèces et qui amène à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la 6e extinction massive des espèces, de la biodiversité. La dernière, je le rappelle, c'était il y a 65 millions d'années. Et cette fois, c'est l'homme qui en est responsable, et il ajoute à sa faute la chasse et l'utilisation des animaux dans toutes les conditions où cela peut lui être bénéfique. J'en veux pour preuve la déforestation, par exemple, on déforeste des forêts primaires avec des populations de orang-outans sans en tenir compte pour produire de l'huile de palme, pour planter des palmiers pour l'huile de palme. Donc le lien entre nécessité de politique écologique pour assurer une vie authentiquement humaine sur Terre, elle passe par la défense et la prise en considération des conditions de vie des animaux. Et comme cela a été dit récemment, aujourd'hui, il faut qu'on change radicalement de paradigme compte tenu de ce constat, à savoir que les animaux ne sont pas là pour nous être utiles, pour nous vêtir, nous nourrir ou nous distraire, mais ils sont là parce qu'ils ont une existence propre, une utilité propre, une forme de vie à défendre que nous, êtres humains, nous devons contribuer à ce que les conditions pour qu'ils puissent exercer leur façon de vivre selon leurs instincts puissent être préservées. C'est un impératif écologique. Voilà. Alors concrètement, comment ça se concrétise
quand on est un élu local parisien, puisque je suis un élu local, même si Paris c'est une localité un peu particulière, vous en conviendrez, la première chose, comme cela a été dit, moi je me suis investi très tôt sur cette question, puisque j'ai mis en place les premiers repas végétariens dès 2009 en mairie du 2e arrondissement, dans les cantines scolaires, là où j'ai une responsabilité directe, puisque vous savez que les maires d'arrondissement à Paris n'ont pas une latitude d'action énorme, puisque nous sommes une espèce d'une agglo, comme il en existe partout en France, hein, une communauté d'agglo, mais qui existe depuis très longtemps. C'est la loi de PNL qui fait que les arrondissements ont des pouvoirs limités, mais ils ont la responsabilité pleine et entière, en revanche, de organiser les cantines scolaires. Et là, on a la main libre. Donc, on a des cantines scolaires qui servent du bio à 96% en termes de produits dans l'assiette et des repas végétariens en alternative tous les jours, c'est-à-dire que les gamins ils peuvent manger végétarien tous les jours. Et en plus, le jeudi, c'est un repas végétarien pour tout le monde, parce que sinon, ça fait que les enfants qui mangent carné tous les jours et ne goûtent jamais à la cuisine végétarienne, donc ne peuvent pas apprendre et comprendre qu'un repas végétarien, ça peut être bon, roboratif, agréable à manger, bref, aussi bien qu'un repas carné, mais sans tuer d'animaux. Et donc, c'est ce faisant, on fait une espèce d'action pédagogique pour montrer qu'il est possible de bien se nourrir sans avoir recours à la chair animale. Voilà. Donc, merci, parce que c'est pas facile à faire et on essuie au Conseil de Paris beaucoup de. Même si ça va mieux maintenant, en 2009, je passais pour un farfelu. Hein, donc, faisant ça, et maintenant, grâce au plan alimentation qui a été voté par la ville de Paris, eh bien, les caisses des écoles, donc les arrondissements, sont invités à promouvoir un repas végétarien par semaine pour tout le monde. Donc c'est un petit progrès. Vous voyez la différence de blocage entre une responsabilité purement écologiste locale, où on arrive à faire un repas végétarien alternatif pour tout le monde, puis un repas pour tout le monde végétarien sur un jour, et au niveau du Conseil de Paris, c'est un repas végétarien par semaine. Et puis le Conseil de Paris, donc je prends encore ma casquette d'élu local pour répondre à la question qui ne m'a pas été posée. Qu'est-ce qu'on peut faire en politique localement quand on est en responsabilité pour les animaux? Eh bien, on a mené une bagarre au niveau du Conseil de Paris, parce que c'est là, vous l'avez compris, les décisions pour l'ensemble de la capitale se prennent. On a mené une bagarre pour interdire les cirques avec animaux dans Paris. Donc, on a fait beaucoup de vœux, on a vraiment mené le combat. Bon, c'est un combat que je mène depuis 2011 et qui nous amène à aujourd'hui avoir rallié une partie de l'UDI Modem, notamment d'ailleurs parce que l'un de ses membres, c'est Yann Werling, l'un de nos anciens secrétaires nationaux, qui est très sensible à cette condition, donc il fait aussi le travail. Une toute petite partie du PS. Pas le PC, malheureusement, ni la droite, à part l'UDI Modem. Mais ça nous permet quand même d'aller au-delà de notre sphère purement écologiste. Et je sens que la maire de Paris pourrait bien fléchir, même si elle n'arrête pas de répéter, et c'est exact, que ce n'est pas une compétence directe des communes, parce que c'est vrai, les communes peuvent prendre des arrêtés contre les cirques pour accueillir les cirques sur animaux, mais jusqu'à présent, toutes les communes qui sont passées devant le juge pour cette raison, enfin les circassiens qui ont attaqué les décrets des communes qui interdisaient les cirques, ont perdu parce qu'elles ne peuvent pas viser spécifiquement les cirques avec animaux pour les interdire. Donc on peut prendre, c'est symbolique, ça va fort, ça va loin, mais, et puis d'ailleurs, souvent, et c'est aussi un autre sujet, les communes qui prennent des arrêtés contre les cirques pour animaux sont incapables de les faire respecter. Parce que quand vous avez une caravane de circassiens avec animaux qui s'installe, eh bien la gendarmerie doit mobiliser la compagnie de CRS du coin pour les faire dégager, et en général, ils s'installent assez durablement en dépit de l'interdiction. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, combat contre les cirques pour animaux, la décision n'est pas encore prise, mais on pense qu'on s'oriente vers une décision politique de la maire de Paris qui devra la rendre à l'automne, de plus autoriser les cirques avec animaux sur le territoire parisien.
On a aussi mené des combats qui sont deux combats qui sont symboliquement importants. La pêche. Alors, il ne s'agit pas d'interdire la pêche, puis on nous a dit non, t'es complètement fou, c'est pas possible. Donc, on a, nos alliés nous ont dit ça, y compris chez Europe Écologie. C'est pas qu'on veut interdire la pêche, en fait, est autorisée dans la Seine, on peut pêcher, on n'a pas le droit de manger de poisson que l'on pêche, puisque ça, c'est interdit. Donc, on s'est dit, pêcher, mutiler un poisson, voire le tuer pour ensuite le rejeter en Seine, ça est absurde, donc autant aller jusqu'au bout et dire que la pêche est interdite à Paris. Donc ça, on n'a pas obtenu, mais on a obtenu que la pêche sans avec des hameçons sans arpillons, vous savez, ces hameçons particulièrement cruels qui déchirent les mâchoires des poissons, soient interdits. Donc c'est, vous voyez, c'est vous dire comment les combats sont difficiles à mener, parce qu'on a gagné la pêche sans l'interdiction de la pêche avec arpillons, mais pas l'interdiction de la pêche. Et on s'évalue, là je dis « on », j'associe l'élu France Insoumise, parce qu'il n'y en a qu'une au Conseil de Paris, avec qui nous avons mené cette bagarre et qui s'est vu insulté copieusement sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait, c'est avec toi Brigitte, qu'elle avait fait des images vidéo. Non, c'était pas avec toi. Ah, c'était avec Amandine. Voilà, et c'était terrible, quoi. C'était des insultes très basses. Je vous passe, vous connaissez les réseaux sociaux et les emails qu'elle a reçus, c'était insupportable. Juste parce qu'elle voulait interdire la pêche. Et puis, un autre combat, là, qui est un combat absolument... je suis intervenu donc, en Conseil de Paris plusieurs fois, notamment en réunion avec la maire de Paris, c'est sur la question des rats. Puisque vous savez qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui de la présence des rats dans Paris, qui n'ont pas bonne presse, vous le savez, et les mesures mises en œuvre par la ville, c'est des poisons violents. Et donc, je suis intervenu pour demander à ce que soient étudiées d'autres méthodes de régulation de la population des rats sur Paris. Sans succès jusqu'à présent, ça a bien été fait pour les pigeons, puisque vous savez qu'il y a plusieurs années, ça on a fait dès 2002, nous avons mis en place à Paris des pigeonniers contraceptifs. Jusqu'à présent, les pigeons étaient... on leur jetait un filet sur un groupe de pigeons, on les ramenait dans une petite boîte, et puis on envoyait des gaz qui les euthanasiaient, et on balançait ça à la poubelle, avant 2002. C'est pas si récent, hein. Et d'ailleurs, beaucoup de communes pratiquent encore comme ça, en secret, sans le dire. Donc nous, on a obtenu que ces méthodes soient plus à l'ordre du jour, et la mise en place de pigeonniers contraceptifs, et le lien avec les rats, c'est que j'invite les chercheurs à rechercher des produits qui rendent infertiles des rats, plutôt que plutôt que de les capturer et de les tuer violemment. Et puis ensuite, un autre... Je termine. Ah, je n'ai pas encore répondu à la question. Je termine quand même sur le point d'actualité, qui me paraît assez important. C'est les plaques commémoratives pour les animaux qui ont participé à la guerre. Vous savez qu'on est dans des cérémonies de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon, où les animaux, notamment 15 millions de chevaux, ont été massacrés. En plus des êtres humains, bien sûr, cela n'en est rien aux êtres humains, mais l'exécutif n'a rien voulu savoir, comme si commémorer l'action et le sacrifice des animaux en temps de guerre, c'était enlever quelque chose aux êtres humains. Plein de pays ont, l'Angleterre notamment, a des monuments aux animaux. Il existe même en France un monument, un pigeon qui a été très utile pendant la guerre, puisqu'il a pu passer les lignes et ramener de l'information. On a eu un avis négatif de l'exécutif quant à la mise en place d'un monument pour les animaux à Paris, sauf dans le 14e arrondissement, à l'initiative de mon ami et collègue Florentin Laetitier, qui était là tout à l'heure, et qui a réussi à faire voter dans le 14e arrondissement la position d'une plaque commémorative, là où les chevaux étaient ramenés, une fois qu'ils avaient été réquisitionnés, pour les harnacher et les amener sur les lieux de combat, et ça, il y a une plaque qui va commémorer donc le souvenir de ces animaux sacrifiés. Voilà ce que je veux dire dans un premier temps. Merci.
Merci Jacques. Muriel, One Voice existe depuis 20 ans, bravo, même plus de 20 ans d'ailleurs, 23 ans, c'est ça. Pourquoi avez-vous besoin en tant qu'association que la question animale soit portée dans la sphère politique? Et est-ce que tu as des exemples d'occasions autour desquelles il a été nécessaire que ce soit porté? Alors déjà, merci d'organiser ces réunions et de parler des animaux. C'est tellement important et c'est vraiment formidable. Merci à tous. Pour répondre et pour trouver des exemples, il y en aurait beaucoup. J'ai pensé au cirque et au delphinarium, au cirque avec animaux et au delphinarium, puisque nous avons vraiment besoin des politiques, que ce soit au niveau européen, au niveau national et au niveau local. Il ne reste plus que 8 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas légiféré sur cette question, dont la France. On sait aujourd'hui, je ne vais pas parler, d'ailleurs je vais le chronomètre, je ne vais pas parler de la souffrance de ces animaux, on la connaît tous, les rapports scientifiques sont extrêmement clairs. Je citerai juste le rapport Piquet et Harris, qui a été écrit après plus de 600 auditions de spécialistes au Pays de Galles pour l'interdiction, qui dit que la vie des animaux dans les cirques n'est pas une bonne vie et n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc on sait aussi que les cirques et les delphinariums portent atteinte à la biodiversité et aux animaux qui disparaissent, puisque, comme l'ont dit par exemple ces 100 psychologues qui ont signé un courrier à ce sujet, ces spectacles entravent le développement de l'empathie, qui est critique durant le processus de développement et de croissance des enfants. Donc ce sont des exemples très précis, mais les cirques et les delphinariums mettent en danger les individus, et nous, c'est vraiment notre combat, ce sont les individus, mais aussi les espèces. Alors, les espèces, quand j'ai fondé l'association, c'était une image lointaine. Je reviens des États-Unis d'une conférence de spécialistes sur les orques. J'ai vu les orques mourir de faim, ces mêmes orques qui ont été décimés par les delphinariums. Et là, on voit concrètement que la disparition des espèces, c'est une souffrance absolument immense pour les individus qui appartiennent à ces espèces. Donc ça n'est pas rien. Par rapport, d'ailleurs, dans les cirques, il y a les éléphants, nous nous battons pour les éléphants. On sait qu'il y a 55 éléphants qui meurent chaque jour. Et Pascal Durand et Romain Gaillard ont travaillé avec nous sur cette question et posé une question tout à fait pertinente par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle se battre contre les cirques avec animaux et contre les delphinariums et pour des interdictions est important. Donc nous avons besoin d'interdictions au niveau national et nous avons aussi besoin que les mairies prennent des arrêtés. Alors, ce qui s'est passé en France, c'est que des textes erronés ont circulé, donc certaines mairies n'ont pas suivi les procédures. Nous avons un arrêté qui est inattaquable, que nous pouvons... Alors après, tout est attaquable, mais en justice, le syndicat des cirques aura du mal. Donc nous accompagnons les mairies qui le souhaitent pour voter ces interdictions. Il faut les voter pas en conseil municipal, il faut que le maire prenne un arrêté avec des considérants bien précis. Et ça peut fonctionner, donc nous allons continuer. D'ailleurs, si le syndicat des cirques a attaqué systématiquement, c'est parce que ça les dérange énormément. C'est vraiment un travail de fourmi que ces mairies qui interdisent, mais ça fait parler de la problématique et ça permet aussi de sensibiliser la population, même si aujourd'hui les chapiteaux sont de plus en plus vides. Au niveau national, nous avons besoin d'aide parce que la problématique des cirques, elle est aussi sociale. Donc j'ai parlé de la souffrance des animaux, des problèmes liés à la biodiversité, mais il y a aussi une souffrance sociale avec les cirques. C'est-à-dire que le paysage des cirques, c'est quelques grands cirques, donc ce sont des entreprises commerciales prospères qui sauront se reconvertir, et puis beaucoup de petits cirques. Des petits cirques où, quand nos enquêteurs vont enquêter, ils vont dans les caravanes des gens et ils les aident à remplir leurs papiers sociaux, parce qu'ils ne savent pas lire et écrire, ces personnes-là.
et ils ont besoin d'une reconversion, d'une aide. C'est ce que nous avons essayé de dire aux ministères successifs qui, en plus, sous tous les gouvernements, ont délivré des certificats de capacité à ces gens-là. Un certificat de capacité, c'est un papier qui dit que la personne qui l'a est capable de gérer un animal d'une espèce sauvage, un lion, un tigre, un éléphant. Ça veut dire que cette personne a des connaissances sur la biologie de cet animal. Imaginez qu'il y a des personnes en France qui ont ces certificats de capacité alors qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Donc ce sont des choses que nous devons dénoncer au effort et on doit accompagner ces personnes-là. Et le volet social d'Europe Écologie des Verts entre tout à fait dans cette ligne-là. Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus d'animaux. Ils en ont de moins en moins, puisque quand on a commencé la campagne en 1999, il y avait à peu près 2000 animaux dans les cirques. On en voit beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Et puis il y avait à peu près 200 cirques avec animaux, il y en a aux alentours de 70. Mais il faut continuer à accompagner ce mouvement et ne pas laisser ces gens-là au bord de la route. Nous l'avons fait en Inde et c'est comme ça que nous avons aboli 400 ans de danse des ours. Nous avons accompagné les dresseurs musulmans qui étaient moins que des intouchables en leur permettant de trouver un vrai métier. Et tout cela en scolarisant les enfants, en leur permettant d'avoir une couverture maladie. Donc c'est quelque chose qui est toujours global. Et cette approche-là, les politiques peuvent s'en emparer, vraiment, et c'est ce que Europe Écologie des Verts a fait jusque-là, et c'est très très important. Nous avons besoin également, je vais aller très vite, de taper fort parce que le ministère de l'écologie, aujourd'hui comme hier, n'est incapable de dire combien d'animaux il y a dans les cirques. Et c'est extrêmement difficile de savoir qui décide pour ces animaux, pour ces individus. Pour l'éléphante Maya, il nous a fallu un an avant de pouvoir déposer plainte dans la bonne juridiction. Donc ce sont des choses qu'il faut qu'on dénonce et dont on a vraiment besoin de vous pour les dénoncer. Je souhaiterais terminer pour la dernière minute qu'il me reste sur les delphinariums, juste avec l'histoire de ce petit dauphin qui s'appelle Aiko. Qui est décédé à l'âge de 6 ans au delphinarium de Planète Sauvage. Nous avons saisi la justice qui a accepté de nommer un expert indépendant, soi-disant. L'expertise a duré un an, c'est nous qui payons l'expert puisque nous l'avions demandé, donc ça nous a coûté au total 12 000 euros, pour que l'expert vétérinaire dise que Aiko n'était pas du tout stressé, pas plus que les dauphins dans la nature qui sont stressés parce qu'ils sont obligés de chercher leur nourriture et qu'ils ont à nager des kilomètres. Donc nous allons déposer plainte, enfin faire un nouveau recours pour avoir un nouvel expert, mais Aiko a été, grâce à cette expertise quand même, nous avons eu accès aux documents et il a été attaqué par le groupe de dauphins 78 fois en moins de 2 ans. Ce sont des informations sur des espèces menacées que les politiques devraient pouvoir demander et devraient pouvoir afficher parce que être attaqué, il n'avait plus que la peau et les os, il était couvert de morsures juste avant de mourir. Une grande spécialiste est venue des États-Unis le voir avec nous. Ce sont des informations auxquelles on devrait avoir accès systématiquement, au moins quand il s'agit d'espèces menacées. Parce que même les espèces menacées, même les individus des espèces menacées n'ont pas cette protection-là. Voilà, donc beaucoup, beaucoup besoin de vous et je voudrais remercier Laurence Abeille parce que quand il s'est agi de travailler sur la loi, sur la biodiversité, elle nous a demandé qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux aider et on lui a dit delphinarium, on lui a dit dauphin, on lui a dit orque et elle s'est vraiment battue pour ça et merci vraiment Laurence parce que ça a fait une différence. On était dans le désert depuis des années et des années et soudain une lumière est apparue et on va continuer de se battre, donc merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Brigitte, hein, qui est avec la loi agriculture-alimentation, qui a été portée en première lecture à l'Assemblée, au Sénat, qui est encore passée à la rentrée en deuxième lecture à l'Assemblée.
Le gouvernement a choisi de ne pas imposer l'arrêt des pratiques cruelles auxquelles sont soumis les animaux d'élevage. Ils n'ont pas choisi de le mettre dans la loi, au motif que des lois y avait déjà beaucoup, et qu'elles n'étaient pas appliquées, donc ça ne servait à rien, et qu'il fallait mieux laisser les filières s'organiser. Donc en fait, ça correspond à dire que ce qu'on vient de dire précédemment, c'est pas vrai, que le champ économique peut s'autoréguler tout seul, et qu'il n'y a pas besoin de faire de loi, et pas besoin d'investir la sphère politique. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que votre stratégie à L214 s'en trouve du coup modifiée? C'est une vaste question. Il va falloir me taper dans le pied quand ça fera 7 minutes. L214, on débute. On a 10 ans aujourd'hui. Le champ politique, on ne l'a absolument pas engagé immédiatement. Ce sont des personnes qui nous ont attirés dans le champ politique. Laurence, Jacques, vous avez fait partie de ces personnes-là, vous attirez notre attention sur. Là-dessus, nous, on avait juste fait l'Observatoire politique et animaux, qui est donc un observatoire où on notait les personnalités politiques qui agissaient pour ou contre l'intérêt des animaux. Et voilà, on se disait que nous, avec la légitimité qu'on avait, peut-être qu'on n'avait pas grand-chose à proposer dans ce champ-là. Et puis, tous les deux, mais plus particulièrement toi, Laurence, au niveau national en tout cas, tu as poussé les associations à faire animal politique, donc 26 ONG ensemble pour essayer de faire que les essentiels et ensuite les candidats aux législatives se prononcent sur un certain nombre de sujets qui regardent un petit peu tout le monde, des sujets qui sont très consensuels. Hein, on était 26 ONG, on a trouvé un terrain d'entente sur une trentaine de propositions, donc vraiment très consensuelles, c'est-à-dire que quand on interroge l'opinion publique sur ces choses-là, elle est totalement d'accord avec ce qui est proposé. Et effectivement, ça nous a lancé un petit peu, et puis là le projet de loi, d'abord les consultations, les états généraux de l'alimentation, et puis ensuite le projet de loi Égalim, alors là on s'est bien motivé aussi, et puis on a décidé d'essayer de peser de tout notre petit poids sur les discussions qui allaient avoir lieu, en particulier sur quelque chose qui nous paraissait juste logique, raisonnable, extrêmement raisonnable, l'interdiction des cages pour les poules pondeuses. Voilà, c'est une mesure basique, simple, qui était pleine de bon sens, qui aurait dû passer d'un seul coup. Alors on savait que ce ne serait pas très facile, hein, puisque le coordinateur des états généraux de l'alimentation, c'était Olivier Alain, qui est éleveur, vice-président de la région Bretagne, et qui a eu des mandats à la FDSE. On savait que ça n'allait pas être facile, parce que le rapporteur à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Baptiste Moreau, c'est un éleveur et un ancien directeur d'abattoir. On savait que ça n'allait pas être facile, parce qu'un co-rapporteur du Sénat, c'est Michel Raison, qui a des liens avec l'ANIA, l'Association Nationale de l'Industrie Agroalimentaire. Ça faisait déjà plusieurs personnalités qui étaient a priori pas forcément favorables aux mesures qui étaient proposées. Et puis, le gouvernement a joué sur le temps législatif programmé. Alors ça, c'est un nouveau concept. Un petit peu comme quand on parle donc des nouvelles expressions, en fait, pour dire un temps limité, finalement, de discussion. Comme quand on parle du gavage, l'industrie, elle, parle d'alimentation progressive et contrôlée. Pour parler d'un acte absolument violent, ben là, le temps législatif programmé, ça veut dire, en fait, une limitation dans le temps de parole. Et puis un calendrier qui a été bien accordant, hein, puisque les discussions... à notre sens en tout cas fondamentales qui ont eu lieu sur l'alimentation, elles ont eu lieu un samedi matin, et puis les discussions autour de l'article 13 qui portait donc plusieurs mesures pour essayer de limiter les souffrances endurées par les animaux dans leurs conditions d'élevage, de transport, d'abattage ou de pêche, ça avait lieu le dimanche soir jusque 1h du matin. Donc voilà, un peu comme le glyphosate aussi. Donc vous voyez que déjà toutes les conditions étaient réunies pour que ça ne passe pas. Et plusieurs députés sont montés au créneau et ont dénoncé justement un certain nombre de choses. Yves Jégot,
qui a dit que le rapporteur n'allait pas aller, donc le rapporteur qui est éleveur, n'allait pas aller à l'encontre de sa profession. Donc non seulement ils ont freiné sur les avancées sur les repas veggie, mais en plus le rapporteur a fait passer un amendement qui va plus loin, puisqu'il refuse les appellations steak, etc. Enfin, il essaye de porter ça pour qu'on interdise un certain nombre de dénominations aux produits végétaux. Il y a Éric Diard, député républicain, qui a dénoncé la lâcheté des députés vis-à-vis des lobbies et qui a dit que Jean-Baptiste Moreau était un serviteur zélé de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Voilà. Et puis le professeur Ekberg, qui défend notamment le Nutri-Score, lui, il a dit que quand il s'agit d'intérêt économique, c'est rarement la santé qui gagne. Et on peut le décliner sur l'éthique, sur l'environnement, sur tout un tas de choses qui, effectivement, n'ont pas été pris en compte. Pendant ces discussions, effectivement, ça va être encore un peu plombant, mais le ministre de l'Agriculture, le rapporteur, n'ont pas arrêté de dire le bien-être animal, les plantes filières, il faut faire confiance aux filières, et puis toute cette série d'avis défavorables dès qu'il s'agissait de mesures qui pouvaient faire avancer un petit peu la transition alimentaire et agricole de notre société. Alors, est-ce qu'il faut qu'on baisse les bras ? Ben non, parce qu'on a quand même réussi à rendre visibles les lobbies de l'élevage intensif, parce qu'on a fait un live tweet qui a été remarqué par des jeunes journalistes, parce qu'on a fait des communiqués de presse, on n'était pas les seuls, on était plusieurs associations à communiquer là-dessus, à dénoncer l'enfumage qui a été tenté en disant « oui, alors on a voté un amendement qui dit qu'on va interdire l'installation, les nouvelles installations d'élevage en cage des poules pondeuses ». Donc voilà, nous on a dénoncé en disant que cet amendement c'était égal à zéro, puisque aujourd'hui il n'y a aucun exploitant qui va s'installer en élevage de poules pondeuses en cage, puisque justement, le marché, lui, il avance. Il y a plus de 100 entreprises aujourd'hui qui, grâce au travail des ONG, se sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de batterie au plus tard, en 2025. Donc voilà, ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé aussi sur le contrôle expérimental des caméras dans les abattoirs. Donc voilà, alors il ne faut pas abandonner parce que c'est un projet de société. Et donc ça concerne éminemment le champ politique. Les entreprises, elles peuvent avancer, elles peuvent aussi reculer, elles font un peu ce qu'elles veulent. Elles vont sentir donner un petit peu où en est la société, jusqu'où elles peuvent aller. C'est au niveau politique qu'il faut qu'on pose les limites de ce qu'on fait subir aux animaux. Alors, les mesures qu'on a proposées jusqu'à aujourd'hui, c'est des mesures de bon sens, c'est des mesures qui aujourd'hui limitent la cruauté sur les animaux. Mais il faut aller plus loin dans les discussions qu'on peut avoir. Comme tu le disais, Florence Burga qui l'a amené aussi, et que tu as repris quand il y a eu les discussions autour de la loi sur les abattoirs, la question de la légitimité de continuer à considérer les animaux comme des ressources à notre disposition. Voilà, enfin, toutes ces questions-là, elles doivent être portées au niveau politique et évidemment au niveau des ONG. Nous, on doit être là pour continuer de porter cette voix qui est portée finalement par l'ensemble de l'opinion publique, continuer de pousser au maximum de ce qu'on peut faire. Et les lobbies sont très forts, mais ce qu'il va falloir, c'est justement qu'on réussisse à avoir un ensemble, enfin que l'opinion publique, que les citoyens, leur voix soit entendue, parce que là on est en déni de démocratie. L'élevage en cage des poules pondeuses, c'est 90% des gens, quand ils sont interrogés, qui se prononcent contre l'élevage en cage. Comment ça se fait qu'on ait encore aujourd'hui 69% de poules pondeuses dans les cages? C'est pas normal, et pas de loi pour interdire cette pratique à échéance. C'était un petit peu long sur le premier tour de parole, alors du coup vous allez avoir moins de temps pour la suite, vous n'aurez que 4 minutes par question, attention. Alors voilà, donc j'ai une question pour toi, Laurence, ouais, qui est du coup, dans ton mandat précédent, quels ont été les principaux freins auxquels tu t'es heurté du coup dans ton mandat de député? Est-ce que c'était les lobbies dont tu as parlé, Brigitte?
présent, donc on parle sur de l'agriculture et sur la chasse aussi, ou alors est-ce que c'est aussi la méconnaissance de la question animale, du sujet des animaux par les députés? Merci. Oui, merci Pauline. Bon, alors, attendez, j'appuie sur le bouton. Voilà. La question de la méconnaissance, elle est évidemment posée parce que c'est quelque chose qui n'est pas appris à l'école. À l'école, on ne parle pas du tout de la question de la sensibilité des animaux, etc. Enfin, voilà, donc ça devrait faire partie des choses qu'on propose. Ça veut modifier aussi dans les programmes scolaires, dans la formation des enseignants, cet aspect des choses. Bon. Donc évidemment, il y a la méconnaissance, évidemment, il y a la question des lobbies, le lobby de la chasse étant le même que le lobby de la FNSEA, qui est le même que celui de la pêche industrielle, etc. C'est un très très gros groupe à l'Assemblée nationale, c'est la même chose au Sénat. J'ai oublié, enfin c'est une grosse centaine de députés de tout bord politique d'ailleurs, hein, et qui ont des entrées directes à l'Élysée, c'est-à-dire que les choses se passent même en amont des discussions au gouvernement, c'est-à-dire que c'est avec le président de la République que M. Thierry Coste, pour bientôt citer son nom quand même, qui est le patron hein, du lobbying sur ce sujet-là, qui est aussi un gars qui vend des armes, hein, c'est très sympathique, mais enfin il a l'écoute et l'oreille directe du président de la République. Juste pour faire une petite parenthèse, j'ai appris, je crois que là, mi-septembre, je crois que Macron va y avoir une rencontre avec les chasseurs en compagnie de Nicolas Hulot. Bon, ça me fait quand même très bizarre. Je pense qu'il y a vraiment une expression à ce moment-là, parce qu'on est en train, sur la question de la chasse, de remettre en cause un certain nombre de choses. C'est déjà pas terrible en France, mais là, ça risque d'être pire. Et d'ailleurs, Alain Mougrain-Dubourg en a parlé, je crois. Alors, il y a un frein auquel on ne pense pas, mais on s'en rend compte quand on est élu, c'est la répartition, enfin, comment dire, la question de la géographie et des territoires. Les députés sont élus, évidemment, ce sont des représentants de la nation, donc nous sommes la représentation nationale, mais on vient d'un territoire. Quand il s'agit, par exemple, de modifier la loi sur l'étiquetage sur les bouteilles de vin, et qu'on veut mettre sur les bouteilles de vin des précautions d'usage, en disant attention, c'est dangereux, etc. À ce moment-là, il y a tous les députés issus des vignobles, enfin des territoires où il y a des vignobles en France, qui vont tous s'opposer à ce qu'il y ait des modifications d'étiquetage, y compris quand elles sont vraiment importantes pour la santé. Donc on a un lobby de territoire. Quand il s'agit, par exemple, de la corrida, à tous les députés des régions où il y a des corridas sont tous pour la corrida. Il n'y a pas, et on retrouve ça pour la chasse, c'est extrêmement. La chasse, on en a quand même beaucoup en France, donc ça représente un lobby extrêmement important. Et quand ils se mettent en branle, c'est très organisé. Donc c'est un frein, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faudrait envisager à un moment donné, dans une future, des modifications constitutionnelles futures, de dire que les députés sont élus sur une liste nationale et n'ont aucun lien avec les territoires, et que le Sénat pourrait être une chambre des territoires où là les élus s'exprimeraient au nom effectivement des agriculteurs locaux quelque part, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe. Quand on travaille sur le bisphénol A, on essaie de dire voilà, il faut absolument qu'on enleve le bisphénol A des boîtes de conserve. À ce moment-là, il y a la députée du Gers qui lève la main et qui dit « mais ce n'est pas possible, moi j'ai une conserverie de cassoulet dans ma circonscription, ils utilisent ces boîtes de conserve, si on modifie les boîtes, ça va être une perte d'emploi, une catastrophe économique pour mon territoire, etc. » Donc ça, ça se passe comme ça, et donc on peut se poser cette question, il ne faut pas ignorer la question de l'apprentissage. Moi, députée du Val-de-Marne, j'étais députée du Val-de-Marne, je n'avais pas de souci avec les chasseurs, je n'avais pas de souci avec les abattoirs, ou je ne sais pas quoi, je n'avais pas, évidemment, dans mon département. Donc je n'ai pas subi, ça m'a donné cette liberté de justement pouvoir m'impliquer sur ces sujets d'intérêt général et d'importance nationale, mais qui localement peuvent être très compliqués pour les députés qui peuvent se retrouver menacés de mort, avec des tonnes de fumier devant leur permanence, avec des conditions, enfin, vraiment des choses qui sont d'une très grande violence et qu'il ne faut pas ignorer. Parlementaire, il est aussi personne humaine et qui peut se retrouver dans des situations
de très grandes difficultés, sa famille, etc. Voilà, ça peut être très compliqué. Donc, il ne faut pas l'ignorer. Ils ne sont pas seulement tous très méchants, très mauvais, très contre les animaux. Parce que même s'ils peuvent avoir des discours comme ça, très favorables à la diminution de la souffrance animale et tout ça, mais ils vont aussi avoir, dans leur circonscription, ils peuvent avoir des gros soucis. Voilà. Je ne dis pas ça pour les excuser, parce que je pense que... Mais ça peut être c'est un frein dont on ne parle pas forcément très souvent. Voilà. Merci Laurence. Une question pour Jacques. Tu nous as exposé les actions que tu menais et que tu avais menées dans ta ville. Donc un espace très dense comme Paris, où en fait on ne pense pas forcément qu'il y a une faune qui vit. Ma question c'est quels sont les défis que tu vois pour nos villes pour qu'on puisse en faire des lieux de cohabitation et de coopération avec les animaux ? Voilà, alors tu as peu de temps, je suis désolée, mais sinon on n'aura pas le temps des échanges à la fin. Merci beaucoup. Les défis, aujourd'hui on est en train d'y travailler, puisque lorsque nous avons déposé notre vœu sur les cirques sur le cirque sans animaux à Paris, l'exécutif a répondu par un vœu qui mettait en place tout un programme pour réfléchir au-delà des cirques sur la présence des animaux en ville. Donc il y a eu beaucoup de groupes de travail qui pour l'instant n'ont pas abouti concrètement, mais qui nous a permis d'aborder la question des animaux domestiques, des animaux qui vivent à proximité sans être des animaux domestiques, des commensaux, merci, le nom m'échappait, de la faune sauvage, entre guillemets, qui se limite principalement à des papillons, et il y en a. Donc, voilà, et puis aussi, on a abordé la question des animaux dits indésirables, là c'est encore autre chose, ou plutôt des nouveaux animaux de compagnie, puisque beaucoup de personnes importent des animaux exotiques, puis s'en débarrassent dans la ville, ou pas d'ailleurs, et ça pose des problèmes pour la survie de ces animaux, bien sûr, ça peut être des serpents, des perroquets, enfin tout est possible. Voilà, donc cette question a été abordée ça fera partie des conclusions qu'on aura à l'automne avec la réponse sur les cirques, sur les animaux. Donc il y a vraiment beaucoup de place à faire pour qu'on puisse posséder un animal, que ce soit un animal domestique en ville, notamment en matière d'espace canin, etc., pour aménager la ville pour qu'elle soit plus « animal friendly ». Même si Paris est une ville dense, et que ce sera très compliqué à faire. Sur la question précédente, parce que je n'avais pas eu le temps d'y répondre, et je m'acharne, bien 3 minutes pour répondre, savoir les liens entre 2 minutes, les liens entre la politique et l'association et les ONG. Moi, j'ai l'expérience suivante. Alors, comparaison n'est pas raison, mais... en 2012, j'ai contribué avec Anne-Claire Gaillet-Cérezal à l'époque à relancer la commission, la commission encore, c'était en 2015. En 2012, on avait posé une motion au Conseil fédéral pour dire que la question animale n'est pas traitée par l'écologie des Verts. Et à ce moment-là, les écologistes, ELV ou les Verts, avaient des très mauvais rapports avec les associations ONG, les associations de défense des animaux, ou pas de rapport du tout. C'est cette motion qui a permis à Europe Écologie des Verts de s'affirmer comme parti antispéciste, puisque c'est sa figure dans la motion, et en tout cas qui reprenait pour la première fois l'idée que les animaux avaient une existence propre et qui devaient être préservés dans cette existence propre. Et ça a beaucoup fait progresser le parti. Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, à ces journées d'été, tous les repas qui nous sont servis sont des repas végétariens. Et c'est pour la première fois qu'on arrive à ça, voire vegan. Ensuite, en 2015, la commission animaux s'est créée, à l'initiative de Fabienne Roumet et de Lucheka Markovic notamment. J'avais aussi eu l'occasion de défendre en Conseil fédéral. Et donc, ce n'était pas évident parce que la question des animaux était traitée
avec la commission environnement. Et vous savez que la commission environnement pense aussi beaucoup élevage. Elle est parfois, certains de ses membres, proches de la Confédération paysanne. Et on a beau être amis avec la Confédération paysanne, on a aussi beaucoup de divergences avec eux, notamment sur la question du loup. Et à chaque fois que je croise José Bové, ça nous vaut des échanges sympathiquement, mais parfois un peu rugueux. C'était une façon d'occulter la question des animaux en la traitant avec la question de l'environnement. Donc grâce à l'action des militants, ça a permis de d'émanciper la question des animaux. Et c'est encore un gap qui nous a permis à ce moment-là d'améliorer nos rapports avec les ONG animalistes et de contribuer à ce mouvement de société qui fait que l'opinion publique est aujourd'hui, je te regarde pas Pauline parce que tu vas me dire d'arrêter, qui fait que l'opinion publique aussi est beaucoup plus sensible à ces questions. Et moi je crois, et je termine là-dessus, que les choses fonctionnent quand chacun est à sa place, c'est-à-dire que c'est, comme le disait Brigitte à l'instant, on est là pour porter la voix de ceux qui n'en ont pas, en quelque sorte, je trouve que l'expression est jolie, et pour obliger, pour faire évoluer l'opinion publique et pousser les politiques à agir. Donc nous, en tant que politiques, lorsque nous sommes en responsabilité, nous devons agir, nous avons ce devoir d'agir, poussé par le mouvement associatif, donc nous sommes le relais, nous sommes la courroie de transmission politique, quand on est en responsabilité, de ce que souhaite l'opinion publique fédérée dans ces associations de défense d'intérêts. Et ça, c'est une façon de travailler qui me paraît très claire, et malheureusement, les partis politiques et Europe Écologie Les Verts ont mis beaucoup de temps, mais maintenant, je trouve qu'on est bien engagé, notamment grâce au travail de Laurence Abeille, cela a été rappelé quand elle était députée, on est bien engagé là-dedans, et je peux vous dire que c'est le message que je voudrais passer à tous les adhérents, que ce soit ceux de L214 ou de One Voice, qui aujourd'hui, quand on les additionne, ont plus d'adhérents que Europe Écologie des Verts. Bravo à vous. c'est de dire... Nous, on prend l'engagement en tant qu'élus, si on est élu, à être le relais des mouvements associatifs animalistes dans les institutions pour en porter la parole et pour faire bouger les politiques publiques et changer la loi pour les animaux. Et ça, c'est un engagement ferme que l'on prend pour répondre à notre engagement politique. Pour rebondir sur ce qu'a dit Jacques, Muriel, comment est-ce que tu penses que l'échange entre les associatifs et les politiques pourrait se faire pour que ça se passe encore mieux qu'aujourd'hui? Je pense qu'il faut continuer à avoir du courage et que vous êtes peu nombreux à en avoir. Excuse my French, comme je dis en anglais. Excusez-moi, je démarre. Jacques parlait des rats à Paris. Et c'est extrêmement courageux de sa part de s'occuper des rats, parce qu'ils sont détestés. En 3 minutes, je voudrais vous parler des chats, parce qu'ils sont soit très aimés, peut-être trop, multiplié par 3 le nombre en l'espace de 30 ans, mais il y a 11 millions de chats sans abri dans nos rues en France. Exactement. Ils tuent les oiseaux, ils meurent parce que de toute façon ce sont des animaux domestiques, donc ils sont incapables de survivre dans les rues, ils meurent dans des conditions terribles, ils sont torturés, on le sait, ils sont l'objet d'exactions, et c'est quelque chose qui peut être traité et au niveau des maires, puisqu'ils ont cette obligation de s'occuper des chats, c'est une obligation légale que nous ne manquons pas de leur rappeler, et au niveau national. C'est vrai qu'il y a le problème éthique de cette souffrance des chats, il y a le problème de la biodiversité, puisqu'on sait qu'un tiers de la disparition des oiseaux est due à ces chats qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être dans la rue, ils n'ont pas demandé à se reproduire. Derrière tout ça, il y a le lobby pharmaceutique, parce que plus il y a de chats, plus même le produit pour euthanasier, ça rapporte au laboratoire. Il y a le lobby de la viande qui peut placer tous ces déchets dans les boîtes et le lobby de la pêche. Donc c'est quelque chose qui est occulté parce qu'on ne les voit pas. Ils sont là. Et
il y a la possibilité de régler le problème en stérilisant les animaux et en obligeant les particuliers à les stériliser. Parce que les politiques associatives, pour l'instant, les gens qui essaient de s'occuper de ces animaux et qui sont eux-mêmes en grande détresse par rapport à l'ampleur du problème, stérilisent de manière anarchique. On sait que si on quadrille un territoire et si on oblige les particuliers à stériliser aussi, on va aboutir à des vrais résultats. Mais il faut aussi que les particuliers stérilisent. Il faut interdire la vente par petites annonces. Il faut interdire la vente dans les animaleries. La Belgique a compris ça et on a absolument besoin d'avoir cette même politique, c'est-à-dire des maires qui acceptent que leur quartier soit quadrillé et que ce ne soit pas du saupoudrage qui ne sert strictement à rien. Malheureusement, nous-mêmes, on essaie d'aider des maires, parfois on intervient, mais on sait que ça va aider les individus, mais pas la problématique générale. Donc, cette situation, c'est vraiment dommage. Les chiens ne sont pas toujours aimés aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la domination, les chiens. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils connaissent, de leur culture. Ils ne connaissent pas la hiérarchie. Ce sont des animaux territoriaux. Donc, accepter d'aller à la rencontre des chats, c'est aussi accepter d'accepter l'autre sans notion de pouvoir, sans notion de rivalité. C'est aussi un message intéressant de s'occuper d'eux, même si pour l'instant ils sont vraiment laissés pour compte. Donc nous avons besoin des mairies vraiment qui s'engagent sur des programmes mais drastiques et coordonnés. Nous avons besoin au niveau national d'interdiction des ventes et de la stérilisation, et nous développons un programme chat typique que nous mettons en place avec certains maires qui permet d'installer les chats, comme ça a été fait d'ailleurs, un maraîcher bio utilise les chats plutôt que des pesticides, mais nous c'est pour le lien intergénérationnel, par exemple dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux. Et c'est vrai que ce sont des choses qui nécessitent une implication politique locale importante. Et puis il va y avoir bientôt les JO, et à Paris, les chats sont en danger de grandes souffrances. Voilà. Merci Muriel. J'ai une dernière question pour Brigitte, qui part du constat, une question, est-ce que tu ne penses pas que les médias ont tendance à créer artificiellement des ennemis là où il pourrait y avoir une convergence des luttes politiques? Je parle par exemple de l'opposition qu'on crée entre les éleveurs et les véganes. Hein. En effet, même si idéologiquement il y a des divergences, dans l'immédiat, est-ce qu'il n'y a pas surtout une critique de l'élevage industriel qu'on peut faire ensemble? Qui peut le faire? Qui peut faire ensemble? Alors je ne sais pas si c'est le rôle des médias ou quoi. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre effectivement d'acteurs qui ont l'impression qu'il faut absolument être en conflit. Or, ce qu'on vous propose, finalement, c'est une société de paix qui emmène tout le monde. Le combat antispéciste n'est pas un combat contre des individus, mais contre des pratiques. Et donc, il va falloir effectivement essayer de dépasser cette espèce de clivage qui se crée. Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est simplement aussi des maladresses ou une envie de ne pas bouger, du coup, il faut trouver des coupables? Donc voilà, ça va vraiment être très important à l'avenir. Alors maintenant, comment contourner ça? Et puis aussi revenir sur élevage industriel. Je ne sais pas ce qu'on met derrière élevage industriel. Moi, je préfère élevage intensif. Voilà, l'élevage intensif, ce sont des élevages où il y a énormément d'animaux qui sont maintenus dans des bâtiments fermés, sans aucun accès à l'extérieur. Et ça, là-dessus, je crois qu'effectivement, on peut trouver des points de convergence avec tout un tas d'acteurs qui se battent déjà contre les conséquences de ces types d'élevage. Donc évidemment, les associations de défense des animaux, par rapport au degré de cruauté structurelle de ce type d'élevage, ou si on fait déjà disparaître cela, qui concentre quand même 80% des animaux qui sont élevés aujourd'hui. On peut rappeler que c'est 3 millions d'animaux qui passent tous les jours à l'abattoir, et puis il y a des dizaines de millions de poissons. Donc voilà, et les poissons c'est aussi de l'élevage intensif. Hein. L'aquaculture aujourd'hui c'est quand même 50% des animaux aquatiques qui sont tués.
Donc c'est quand même énorme. Mais il y a aussi les associations qui luttent sur les questions environnementales, celles qui sont sur les questions de santé publique, celles qui sont sur les rapports nord-sud, celles qui luttent contre la déforestation, celles qui luttent pour justement la préservation des petits paysans. Voilà, aujourd'hui on a un type d'élevage qui est en train de croquer tout le reste et qui continue, qui perdure. Il y a quelques jours, c'est dans le Béarn où il y a un élevage qui compte élever 17 000 cochons chaque année, qui a obtenu une autorisation de la préfecture. 6500 animaux présents sur le site, le cheptel, comme on l'appelle, donc les animaux présents sur site à un instant T. Donc, il y a cette question de... Là, par exemple, pour les amendements qui ont été votés négativement, qui ont été rejetés par l'Assemblée nationale dernièrement, sur les amendements sur la question animale, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait que les ONG sur la question animale qui s'étaient prononcées dessus. Peut-être demain, comme le savent si bien le faire finalement les chasseurs, les éleveurs et autres exploitants aujourd'hui d'animaux, réussir à se fédérer et à montrer que la question de l'élevage intensif, ce n'est pas seulement les associations de défense des animaux, mais en fait, ça nous regarde, c'est vraiment une question d'intérêt général. Alors évidemment, il y a l'aspect éthique, hein, qui en premier lieu est la préoccupation des associations de défense animale, mais ça va bien au-delà de ça, et c'est essayer de réunir cet ensemble d'acteurs. Et puis c'est aussi la montée en compétence des assos. Je trouve qu'au niveau politique, on n'est encore pas assez présent. Notre voix ne se fait pas encore assez entendre. Donc le collectif Animal Politique, c'était un bon début pour déjà fédérer les associations de défense des animaux, mais il va falloir aller plus loin que ça, réussir à faire des propositions très concrètes, clés en main, incontestables, aux élus pour qu'ils puissent, le porter. Donc voilà, je crois vraiment qu'à l'avenir, ça va être une des clés. On peut aller plus loin tous ensemble et il va falloir trouver ces relais un petit peu partout qui s'expriment à voix haute, que ce soit des scientifiques, que ce soit des ONG, que ce soit des personnalités influentes. Il faut absolument qu'on progresse dans ce sens-là. D'agir par rapport à la chasse, parce que là vraiment il y a un grave problème, c'est-à-dire qu'on aurait fait une table ronde avec les chasseurs et non-chasseurs, les représentants de partout, là, les ONG comme vous, là, Brigitte et Muriel. Parce que ce qu'on ne prend pas en compte du tout, c'est que l'animal est victime, comme nous particulièrement, des changements climatiques et des pollutions multiples depuis des années. Et ça, les chasseurs s'en foutent totalement. Et ça, c'est grave, c'est très très grave. Moi, je pense qu'il faut aussi vraiment qu'on se mobilise tous, là, tous les ONG, Brigitte Bardot, Alain Dubourg, voilà, l'ASPAS et tout ça. Et donc tous les militants, parce que nous on va encore en parler le 12 septembre, parce qu'on fait une marche contre le glyphosate à 16h, vous avez connu nous tous, hein, encore un dernier rappel pour ces trois jours là. Donc on a soutien de Chéri Lazy et Julien Manu qui seront là. Alain Dubourg, on va en parler aussi, la vie, et puis ainsi que Marie-Monique Robin qui va mettre des photos par rapport à la marche le 12, parce que les animaux sont victimes de ça aussi, de tout ce qu'on met dans la nature, du stress, de la pression humaine, vous le savez aussi, on en a à bol, quoi, que nos frères et sœurs animaux meurent chaque jour dans des conditions pas seulement intensives, mais aussi dans les pas des pratiques immondes de gens qui ont trop de testostérone. Il y a très peu de femmes qui chassent, hein. Il y en a quand même, mais bon. Et donc voilà, on invite le groupe, c'est qu'on va en parler aussi au ministère, on va être sur délégation, on va en reparler, parce qu'on veut aussi interdire la chasse à courre. Okay. Voilà. Chère Laurence, qui a un bien nommé, qui s'appelle Laurence Abel, parce que c'est vraiment la bien nommée. Voilà. Est-ce que tu peux, que tu penses par rapport là-dessus, il y a un vrai travail à faire quoi, par rapport à ce qu'on peut lutter tous ensemble, ce lobby des chasseurs qui est très fort. Et donc, comme on disait là dans les intervenants, c'est se mettre aussi plus s'organiser très fort par rapport à ça. Sans aller jusqu'à l'abolition de la chasse, hein, c'est la question d'au moins l'interdiction de la chasse le dimanche. Voilà. Ou moins un jour par semaine, enfin bon voilà, pourquoi pas le dimanche. Et il y a déjà, moi j'avais rencontré une association sur le sujet.
qui avait déjà fait le tour de tout un tas d'organisations, de randonneurs, de cyclistes, de gîtes, etc. C'est-à-dire que le fait de chasser tous les jours en France, ça veut dire que tout un tas de gens, une grande majorité de Français, ne peuvent pas être les usagers de paisibles et des campagnes et des forêts. Et donc il y a des millions de gens qui sont concernés par l'abolition de la chasse du dimanche. Il y a une majorité dans l'opinion qui est d'accord avec ça. Donc je crois qu'il y a un travail tout à fait à faire là-dessus avec effectivement des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer en politique, qui sont les usagers de la nature, donc voilà, cyclistes et compagnie, tous ceux qui font un peu de randonnée savent que c'est, tout ça est très organisé dans les territoires, il faut aller les voir et faire ensemble. On est unis dans la lutte par rapport aux bouquetins qui sont éliminés parce que les éleveurs veulent utiliser la montagne, parce que les chasseurs veulent se faire plaisir. Et donc c'est tout à fait possible de le faire de manière générale pour la chasse. Voilà, voilà. Il y a eu des risques avec vous, hein, vous savez. Oui. Bon dimanche, sans ça. Merci. On va clôturer le débat ici, parce que le temps malheureusement se fait très avancé, et il y a dernier train à 20h10. Merci beaucoup à tous. Et d'en faire encore d'autres et vous proposer des journées d'été où on a des débats intéressants et on fait plein de choses. Et de travailler sur des sujets comme celui-là.